Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on sera sur le serveur de Monsieur Rasuper en police. Le type de la patrouille sera une patrouille CSI. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Twitch où de temps en temps je fais des lives ou des streams. Hein. Et donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo et une bonne journée. Couchez, arrête, couchez. J'aime bien en... Ah, oh merde, c'est quoi? Ah. Non. C'est si bravo de ceci enfin. Écoute. Je demanderai de vous faire un check autour du SFR. On va essayer de prendre contact avec les individus. Je suis arrivé sur zone dans 15 secondes. Information braqueur en gilet jaune, bravo, braqueur en gilet jaune, au loin il y a une Nissan Leaf. C'est celui qu'on a croisé avant? Ouais. Le seul véhicule que je vois. Il n'a pas tiré à mon départ, donc à mon avis il souhaite négocier. À mon monsieur. Ah bah comme ça c'est fait. On a une bonne vision comme le tient. Oh, oh le trottoir. Oh, ça fait mal ça. J'ai prévu qu'il fasse ça à la moto. Ah merde, j'ai pas de viseur. Individu abattu. Faites appel à Codis. Si. Ouais, je vais appeler Codis de fil. Ok. Vas-y, monte. Demandez à Bravo qu'il fasse encore les checks autour. On sait jamais, okay. Pas qu'il y ait des complices. C'est si Bravo de Cécile. Vous pouvez. Ceci bravo de Ceci Alpha. Il est en communication avec Codis. Ok. Transmettez. Vous prenez votre photo, vous faites des checks des alentours encore, on sait jamais s'il y avait des complices cachés. Reçu, donc du coup j'étais en j'étais en discussion avec les pompiers. Ils ont bien reçu une balise de l'individu. Par contre le problème c'est qu'il est tout seul. Et il est déjà sur une intervention donc il sait pas encore s'il peut venir. On verra ça. Par contre il faudra qu'on se parle nous deux parce que les balises commencent à m'énerver. C'est-à-dire? Il n'y a pas de demande de balise, c'est Codis qui vient et il regarde s'il a un pouls encore sur lui ou pas. C'est quoi cette histoire de balise? D'où maintenant les sapeurs-pompiers savent s'il est en vie ou pas, ou s'il a fait une demande? C'est si bravo d'Oscar. De CSIR. Vous pouvez check le véhicule au coin là, hybride et voir ce qu'il y a sur la plaque. Je fais ça immédiatement. Il est parti de la zone le Nissan, c'est normal? C'est pas celui-là qui vient de partir là devant nous? Non, j'ai entendu son bruit de moteur et normalement il est censé être électrique le Nissan Leaf. Ah si, c'est un électrique. Ah, bon, tant pis. Bon bah ça voulait peut-être dire que c'était pas les braqueurs. Ouais, ça se trouve c'était juste des gens qui cherchaient à manger. Je vais essayer de le check sur l'union quand même. Oui, il s'est passé tout à l'heure, il était tout seul quand il est passé. Ça j'ai pas fait attention à l'intérieur. Non plus j'ai pas fait attention. C'est peut-être un complice qui a pris la fuite. Oh, c'est possible, hein, moi j'ai pas fait attention. En tout cas, on ne tire pas dessus, donc c'est bon. Par contre, il faut me faire penser au commissariat que je reprenne un viseur. Peut-être la fondue, non. Oh, pas besoin, je vais au commissariat. De toute façon, dans la logique, là, si les pompiers pourront réanimer, il faudra qu'on retourne au commissariat. Donc, ouais.
contre, celui-là qui vient, il doit pas être à 50. Ouais, 2 C6, bravo, c'est celui-là. J'ai vu au loin. Je vais pas descendre. Vas-y, grimpe, grimpe. Mais gros, je te vois pas dans la voiture. T'es dedans? Oh non! Ouais, il est juste assommé. Ok, nickel. Normalement, ce que vous avez, c'est Monsieur Mondoran, vu sa tête et sa tenue. Du coup, de ces 6 bravo, j'ai demandé à des individus sur le parking Union, dont Monsieur Mel, s'il avait vu une Nissan Leaf sur l'Union passée, voir la pas devant ou autre, rien du tout. Ouais, c'est aussi. Monsieur, vous circulez pour l'instant, c'est une scène de crime ici. Alors, excusez-moi. J'en ai un tranquillement qui me met de l'arrière là. Non, c'est bon, j'ai bloqué l'arrière, il risque pas de rentrer. Je ne peux pas regarder, ambulancier c'est quoi, 117? Oui. Ambulancier de police. Non, ça répond pas. L'appel. Écoute. Par contre, la fondue baissée d'un ton, vous entend jusqu'au CFR, s'il vous plaît. Moi, le DP, il s'est arrêté au milieu de la route pour juste pour prévenir que j'avais pas payé sa voiture. Aussi. Vous avez appelé qui? Pardon? Vous avez appelé qui? Monsieur qui m'a appelé. Ah, c'est vrai, vous avez pris l'appel. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a arrêté devant Dofi, il s'est arrêté devant moi. Il m'a dit, vous avez pas payé ma facture. Les fins de mois sont difficiles pour les gens. Ah ouais, ils sont chauds, je pense. Ouais. Ah mais là je l'ai payé, c'est juste que j'avais oublié moi. Aïe aïe. Ouais, c'était du gros calibre là, c'est vrai. Pas beau avant. Peu de 10 de ça. Ouais, donc du coup, si très bien votre position, situation, pardon, vous allez pouvoir venir ou pas. Oh, ensuite, bah, envoyer un message à la famille du coup. Ah, donc du coup, ils viennent m'annoncer qu'ils pourraient pas venir du tout, du coup. Non, nous, on va attendre que la morgue soit passée. On va partir, ouais, vous pouvez partir nous en patrouille, bravo. Merci. Oscar de CC Alpha de CC, bravo. Super. Et jette fumigène jaune au milieu du parking, ça commence à...
Oh là là, quadruple. Il y a 5 fumigènes lancés sur Parking Union. Et combien d'individus sur ce 2, 4, 6, 6 individus. Suivez, patientez si vous ne vous sentez pas en position de force, hein, on viendra intervenir à la suite. Je vous écoute. Du coup, de Cécile, bravo, j'ai déjà interpellé un individu en refus d'obtempérer. Je lui ai demandé 58 fois de se remettre au niveau du parking. Il s'amuse à me tutoyer maintenant. Voilà. Et donc, du coup, on a toujours les lancers de fumigène. Ça serait monsieur Azon. Suivi de Cécile Alpha. On est toujours occupé sur la SFR. J'espère qu'il va pas mettre 3 heures à m'envoyer un message. J'avais peur du sous-brigadier fondu. Transmettez. Je me fais insulter d'enculé, de connard et de sous-merde ou je ne sais quoi. Et je me fais tutoyer là actuellement. J'ai ma GoPro et ça va partir plus loin juste. Bah ça vous verrez plus tard. Alex Mandora. Pourquoi ça me choque pas, c'est de pas déjà la première fois. C'est déjà avant là qu'il sortait ses mots. De Ceci, bravo, du coup j'aurais besoin d'un véhicule sur ma position. J'ai déjà interpellé un individu, j'ai toujours les lancers de fumigène. Vous faites appeler les agents si tu veux. Ouais, ils sont arrivés. Bon, on a pour le corps, moi je peux demander longtemps. Non, c'est pas ça, c'est les objets. Qu'est-ce qu'on peut utiliser qui pourrait cacher? Et si bravo, indisponible pour un contrôle total au niveau du commissaire Jamestown. Cette fois j'ai réussi à rester calme. Sophie, t'es là sur le privé? Oui. Je suis resté extrêmement calme. Merci. Et
pourtant Dieu sait que j'ai du mal parce que me faire insulter, je supporte pas. Morgue est passé ? Elle est pas encore passée, mais je mets un panneau sur son corps. On a du beau monde au parking. C'est pas le beau monde du parking qui m'intéresse, c'est lui. T'es au parking, hein ? Bonjour monsieur, on va se mettre sur le côté s'il vous plaît. Donc monsieur, c'est ici de l'Exile, mon unité a autorité à fouiller toute personne solide sans motif valable. Ouais, est-ce que vous pouvez me présenter déjà un permis de conduire s'il vous plaît? Ouais. C'est bon? Monsieur Théo Louis, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous avez une carte, vous avez la carte grise du véhicule? Merci. La carte du véhicule, ouais, tenez. Merci. Il est en deuxième nom. Oui, parce que c'est un prêt. Donc, c'est qui vous l'a prêté le véhicule? Oh, je sais pas c'est quoi son nom. Vous avez au moins son nom? Non. Ah, un qui vous prête un véhicule, il peut avoir, je sais pas, de l'illégal à l'intérieur, mais non. Non, j'avais regardé, mais j'ai pris son numéro de téléphone, mais j'ai pas noté avec son nom, si vous voulez. Moi, je vous conseille de prendre son nom, parce que la même chose, moi je dis l'illégal, mais il peut y avoir peut-être aussi une bombe. Ouais. Vous allez mettre les mains contre le véhicule, j'effectue une petite fouille. Ouais, y'a pas de soucis. Rien de dangereux ni d'illégal, monsieur? Non, du tout. En tout cas, vous risquez pas de manquer de gilet jaune. Non, je suis chauffeur de taxi. Ok. Je travaille chez Taxi Alliance. Vous pouvez vous retourner, vous étiez pas un peu vite en sortie d'Union? J'étais à 130, mais j'ai peut-être accéléré un peu tôt, je pense. Je vous demanderai de faire plus attention la prochaine fois. Oui, y a pas de souci. Allez, vous pouvez circuler, monsieur. Bonne journée à vous. Merci. Bien, il avait de l'or. Je vais me mettre là parce que j'ai horreur des trolls là sur une ouais. Moi j'appelle ça du troll quand il y a la police, allez on va jeter des fumigènes. Oula, il y a des problèmes de cerveau à droite. Oui, oui, c'est ce que j'entends. Ah ben il est là, là l'autre. C'était l'or brut ou de l'or que t'avais avant? De l'or? Bon, on va le contrôler alors. C'est logique, ça va pas être le même. Oula, c'est vrai que les problèmes sont. Oh, ouais. Je vais faire un retour en arrière, 3 km. Bonjour, coupez le véhicule, vous sortez, s'il vous plaît. Je vais demander de vous mettre face à votre véhicule, je vous procède à une palpation et une fouille. Non. Je
cœur, je vais retourner. Alors, le permis. Merci bien. Là où je sais de me demander. Il y a un triangle gilet jaune, ça c'est bon aussi. Ah non, vous avez un triangle gilet jaune présenté ? Oui, c'est dans mon véhicule là. Voilà. Le gilet jaune, monsieur ? Le gilet jaune est sur moi. Vous pensez à faire un nettoyage de votre tenue si vous voyez ce que je veux dire. Oui, attendez. Hop. Attendez, je m'embrouille dans. Voilà. Elle est là, l'hybride. Ok, c'est bon, vous pouvez reprendre vos affaires. Merci. Au revoir. Je vais contrôler l'hybride. C'est voir où elle va, l'hybride. Collé contre le mur. Heureusement que j'ai mis le de ton l'autre la caméra, tout se l'a tapé. Vous sortez du véhicule s'il vous plaît. Sur le côté. Transmettez. Donc, du coup le contrôle s'est pas trop mal déroulé, l'individu part 20 ans en prison étant donné qu'il a déjà pas eu les fonds nécessaires deux fois cette embête pour payer la main. Moi aussi. Oui, ouais, y a pas de problème. Mais... mon ami, rien avec moi que mon ami. On vient d'arriver. C'est une fin de service du sous-brigadier à fond. Donc une mise à part service d'abord. Pour avoir bonne soirée, bonne nuit. C'est bien aussi, bonne soirée. Monsieur, vous avez une pièce d'identité à me présenter, s'il vous plaît. Je vais se mettre les mains contre le véhicule, monsieur, je suis de la CCI, mais mon une... arrête, monsieur, moi je savais pas qu'il y avait pas de permis. Bah, c'est à vous de vérifier. C'est à vous de vérifier si la personne a le permis ou pas, monsieur. Mais monsieur, moi c'est... Hey, monsieur, là, c'est lui qui m'a dit qu'il l'avait, mais... Je peux rien faire, pourquoi vous m'arrêtez pour ça? Moi, je vous arrête pas, monsieur, pour l'instant, j'effectue simplement une petite fouille. D'accord, ouais, vous m'avez fait peur. Vous pouvez voir le véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Ouvrez le véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui, oui, il m'a passé, voilà. Ah, il vous a pas passé les clés, c'est vous le propriétaire du véhicule. Vous pouvez me passer les clés du véhicule, monsieur, 2589. Oui, je vous passe ça à l'instant, monsieur. Et voilà, mon cerf. Okay. Okay. Donc monsieur Stanley, pour l'instant votre véhicule est placé sous la saisie de la police, donc malheureusement vous allez devoir repartir à pied. Ah mais monsieur, vous pouvez pas au moins m'emmener à la cité, monsieur, les temps sont durs pour moi et... Ah négatif monsieur, il n'y a pas marqué taxi sur le gilet pare-balles, il y a marqué police. Mais monsieur, s'il vous plaît. Allez voir une fois sur la place d'Union, il y aura peut-être du monde qui voudra bien vous y emmener. Mais monsieur, j'ai 4 femmes et 14 enfants enfermés, monsieur, vous savez. Eh bien, vous regardez sur la place d'Union, vous regardez avec des bus, j'ai vu des bus et des taxis se balader, ouais, monsieur. Ouais, d'accord, ouais. Allez, monsieur, je vous demanderai de circuler de la zone, s'il vous plaît. Oui, bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bye, Guy, je t'aime. Va te faire foutre. La zone.
mal aux jambes. Mais il n'a pas plus. Pardon ? Alors, soit Luke, soit moi. J'espère qu'il se trompe pas de truc, le dépanneur. Hein. Non. C'est si. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Est-ce que la banque peut me faire Oh, ça, j'en sais rien du tout, monsieur. C'est bien ça. C'est bien ce que je disais. Je suis mal foutu. Ah, ben, faut pas. Il faut. Ouais, ouais. Vous avez qu'à faire le permis au lieu d'acheter une voiture, monsieur. Oui, mais le problème, c'est que le permis. Ah, oui, mais bon. Au moins, vous aurez pu repartir avec votre ami, là. Non, non, c'est bon, j'ai les clés. Est-ce que c'est pas lui le propriétaire, c'était l'autre à côté, le propriétaire du véhicule. Bonjour monsieur, je pars une pièce d'identité, s'il vous plaît. Hop. Alors, donc c'est le véhicule qui est à côté de moi. Commissariat de Jamestown. D'accord, ok, ça marche. Allez, on part. Et faites attention, n'emmerdez pas trop le chien parce qu'en tout ce moment il a pas beaucoup mangé. Ah oui, on a un chien dans le coffre. Bien. Ah. C'est pas beaucoup de bruit. Ah bah il est très silencieux. Surtout avant de manger, il est très silencieux.
monsieur. Monsieur, c'est quoi votre nom? Pas aussi. Mon nom, c'est Jean-Guy. Non, non, non. Jean-Guy Payne. Ok. Jean-Guy Pines. Non, pas Pines, pas Pines. Venez par ici. C'est anglais. S'il vous plaît. Je vais attendre qu'on vérifie votre nom sur le portail. Restez sept. D'accord, j'aimerais que tu saches mon nom. Excusez-moi, je vais passer. Ah, on change de cellule. Juste après, avec ce qu'on allait vendre, on allait s'acheter le permis de conduire parce qu'on trouvait ça dangereux. On voulait exactement que ça passe à la vague. Rangez votre pioche, monsieur. Votre hache. Rangez votre hache, monsieur. Ouais, désolé, désolé. Ensuite. Ouais, j'ai où? Allez, je vous montre. Tous comme là aussi, sauf que lui ne révèle que ce qu'il a sur son compte en banque et pas ce qu'il en poche, donc il aurait pu avoir l'argent de son dans la poche. Et... agent sécu de police. Oui, transmettez. Il a besoin d'une de vos unités au commissariat de Jamestown pour un transfert prison, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite, je suis à Union. Ouais, ouais, si vous avez le temps, on n'a pas encore fini le contrat. Ok, j'arrive. On peut pas s'arranger avec ce que j'ai dans mon compte. Je vous donne tout ce que j'ai. Non. Je vous donne vraiment tout. Non, monsieur, ça se passe pas comme ça, monsieur. Je peux pas faire l'amende. Pas présenter l'amende. Voilà. Bon. Du coup, présenter la tablette. Vous vous levez, s'il vous plaît. Regardez-moi. Vous ne l'êtes pas. Voilà. Vous présentez la tablette trois fois. Vous mettez validé, même si vous ne pouvez pas. Signature en bas à gauche. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Je vais demander de vous retourner, s'il vous plaît. Je suis désolé, j'ai cliqué sur billet trois fois. Du coup. Les agents de sécurité sont disponibles au commandant. Monsieur ? Oui, ils arrivent, les agents de sécurité, il faut le mettre en cellule en attendant. Alors je vais rester ici 5 ans ? Non, non, vous allez attendre les agents de sécurité, monsieur. Je vais vous escorter jusqu'à la prison, vous allez pour une durée de 5 ans. Alors qu'est-ce que je fais ici ? Là vous attendez les agents de pénitentiaire qui vont vous ramener à la prison. Ok. Je reste ici longtemps? Le temps qu'ils arrivent en véhicule. Ah, ok. Pas immédiatement dans la ligne, monsieur. Ouais. Vous allez d'un point A à un point B, vous prenez bien un trajet. Ah ouais? Moi mon trajet c'est point B, c'était à la Syrie. Et maintenant je suis au commissariat. Si vous l'aurez fait, c'est pas un problème, c'est pas assez. Ouais, mais comme je vous dis, j'ai plus 3 000 $. Quand on dépasse, on conduit en dehors des routes.
en ligne. Il n'y a pas conduire dehors des roues. Voilà, vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas de soucis. J'y pense, un défaut de permis, ça peut être considéré comme un refus d'obtempérer au niveau de la loi, non? Vu qu'il faut un défaut de permis, ça peut être un refus d'obtempérer au niveau de la loi. Vu qu'il faut le permis pour un... Ouais. Bon, je vais bien son tarif. D'où être le garage. J'ai le bras trop long. Allez monsieur, vous suivez mon collègue. Pour monsieur sera 5 ans. D'accord. Ouais, je vous dénote. De service. Ouais, je suis en prendre une, j'attends juste qu'il soit parti. Je vais ranger le véhicule. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu, hein, si elle vous a plu vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch, le lien figure donc dans la description, au-dessus il y a quelques vidéos, et bien sûr de temps en temps je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.